Oui, c'est difficile d'avoir un chien, c'est grand, pas. Parce que ben voilà, parce que d'abord c'est un grand chien, parce qu'il faut de l'espace, parce qu'il faut qu'il court beaucoup, parce que c'est un chien qui est puissant, c'est un boxer. J'ai décidé d'avoir un gros chien à Paris alors que je vis en appartement, parce que je sais que c'est une race de chien extrêmement sociable, gentil, qui est très attaché à son maître et qui n'est pas du tout ennuyé par le peu de superficie. Parce que pour moi, un petit chien, c'est pas concevable. J'aime que les nounours. On habite dans un quartier aux abbesses, il n'y a pas beaucoup d'espace vert. Donc effectivement, je suis obligé de le prendre avec moi, soit dans un parc, et j'essaie de le faire autant que possible. Il n'y a pas de problème, hein. Je le promène deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, pendant trois quarts d'heure, une heure. C'est les promener, sortir trois fois par jour, à peu près deux heures en tout, matin, midi, soir. Au niveau de la propreté, aucune espèce de contrainte. Il est très très gentil, il est très patient, il attend ses heures de sortie qui ne sont pas du tout régulières. Il faut bien éduquer son chien, il faut lui apprendre à faire ses petits besoins dans le caniveau autant que possible. Il faut ramasser ses crottes, donc on a les petits sacs à crottes comme ça. Et voilà quoi, il faut respecter aussi, il faut savoir respecter nous-mêmes. Quand on a un chien, il faut savoir respecter nos concitoyens aussi. Quoi. Certaines fois, oui, il y a des gens qui ont peur, surtout les gens avec les enfants, quand ils distribuent du pain, il y en a qui ont peur. Mais bon, je l'attrape vite. Certaines personnes ont peur de mon chien parce qu'effectivement, c'est un chien de taille relativement grande et il est très sociable, donc il a tendance à venir dire bonjour un peu à tout le monde et parfois à avoir des démonstrations de sympathie un petit peu, il saute un petit peu sur les gens, mais c'est simplement pour leur dire bonjour et leur faire des câlins. Il n'est absolument pas méchant. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les chiens et donc qui ont peur du chien, c'est sûr. Si les gens ont peur des gros chiens dans Paris, oui, je peux vous dire que oui, et même parfois les gens qui ont des petits chiens ont bien sûr peur de que les gros chiens sautent sur les petits chiens, donc ils prennent les petits chiens dans les bras. D'autres sont au contraire très familiers avec lui, donc il n'y a pas de problème. Bon, mais si quelqu'un a peur, ben, je mets mon chien en laisse et puis j'essaie d'éviter toute remarque et tout conflit.